La bagarre. Ouais, je crois bien que c'est ça qu'il me fallait. Ah ouais. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il me fallait. C'est ça qu'il te fallait, hein. Ah, c'est cette gosse qu'il te fallait. Déjà le 15e épisode de cette série. Et pourtant, nous n'arrivons toujours pas à étancher cette soif qui nous anime. Cette soif de combat épique, de confrontation légendaire. Cette soif qui nous pousse à découvrir de nouveaux animés tous les jours. Cette soif qui, je l'espère, restera insatiable. Au menu aujourd'hui, je vous propose un barbecue. Natsu Dragnir, défiant les lois de la physique. Qui a dit que l'eau éteint le feu? One Piece, qui n'a cessé de nous surprendre ces derniers temps avec son animation de folie. Ou encore Suicide Squad Isekai, j'en avais jamais entendu parler, mais je ne pensais pas que c'était aussi bien. Alors installe-toi confortablement, lâche ton meilleur like et abonnement pour me soutenir. On est parti pour ta série préférée du vendredi. 5 combats légendaires partie 15, c'est tout de suite. Shigaraki versus Taren Strips. La numéro 1 des États-Unis est prête à en découdre. Face à elle, le petit protégé de All For One. Le regard livide, la tension est pesante. Qui va faire le premier pas? Ce sera donc Shigaraki, venant disperser ses ennemis. L'héroïne riposte. Elle décide que l'air n'existe plus dans un rayon de 100 mètres. Son alter pouvant ajouter une règle à ce qu'elle touche. Voilà le vilain encerclé, venant se prendre tous les lasers de plein fouet. Et ce n'est pas terminé. Le voilà, utilisant une répulsion, esquivé de justesse par les avions. Il se régénère avant de venir charger à son tour. L'héroïne l'envoyant valser. Puis la voilà, allant de l'avant, le plaquant au sol. Voilà qu'elle l'a touché. Si Tomura ne bouge que d'un centimètre, alors son corps s'arrêtera. Mais voilà, il ne s'agit pas seulement de Tomura. All For One en fait également partie, repoussant Star. Cette dernière viendra à nouveau tenter quelque chose, durcissant l'air, invisible pour Shigaraki, qui se prendra le coup de plein fouet, avant de venir écraser le vilain, l'immobilisant. Puis elle viendra saisir tous les lasers de ses équipiers, avant de venir pourfendre le monstre. Et ce n'est pas encore terminé, voilà des missiles de croisière hypersoniques, qui se déplacent à toute vitesse dans leur direction. Le plan est simple, le temps qu'elle attrape les nouveaux missiles, ses alliés doivent prendre le relais du laser. Puis c'est parti, 3, 2, 1, elle va le faire. Oui, elle va y arriver. Elle va faire ce que All Might n'a pas réussi, le Tiamat Punch, venant créer une onde de choc immense, visible à des kilomètres. Non, la désagrégation. Un monstre surgit du chaos. Il s'était réfugié dans le sol, sous la mer, attendant que la foudre ne passe. Il viendra faire exploser le Brainless avant de réaliser un parcours en direction de la numéro 1. Mais cette dernière ne semble pas réagir. Elle sourit même. Shigaraki venant la désagréger, venant lui retirer son alter. Elle essaye d'ordonner à son corps de ne pas se laisser aller, mais n'y arrive pas. Quoi? Une climatisation. Alors qu'il se réjouissait, Shigaraki viendra imploser de l'intérieur. En effet, elle avait rajouté une règle, que le New Order se rebelle contre les altères de Tomura, venant les détruire un à un. Star and Strip venant perdre la vie, mais affaiblissant considérablement le monstre. Je ne commenterai pas plus la mort de cette reine, je vous la réserve pour un épisode spécial. Natsu vs le roi dragon de l'eau. Il envoie balader absolument tout le monde, des torrents d'eau s'abattant du ciel, détruisant toute la ville d'Hermina. Natsu tente de l'arrêter à nouveau, mais rien n'y fait. Il se retrouve à nager dans le torrent, les deux ennemis venant hurler leur souffle du dragon. Mais face à l'eau, son feu est totalement vain, il ne lâche pas l'affaire. Et le voilà, se retrouvant sur la tête du dragon. La voilà, la technique anti-dragon, qui viendra simplement chatouiller la créature. Quel flop! Au-dessus de lui, un tourbillon se forme et il se fera aspirer par ce dernier. Mais une main familière lui viendra en aide. Oui, cette magie, le voilà, faisant son apparition. Un dragon de flamme, l'un des 5 divins, rappelant Ygnir à Natsu. Puis cette phrase, Natsu doit vivre au cœur des flammes de l'enfer, venant s'embraser. L'eau n'est plus, la ville brûle désormais. Voilà un deuxième dragon qui perd les pédales. Puis Suijin viendra éteindre les flammes. Ce n'est à ne plus rien comprendre. Natsu décide enfin d'y aller à fond, sans Nora. Ses flammes, il n'est plus le même. L'OST mythique qui se met en marche. Oui, nous y est. Le voilà, bondissant, venant envoyer un vilain punch en plein visage du titan, l'écrasant au sol. Puis le voilà, ripostant, un combat cataclysmique. Natsu employant toute sa magie, donnant tout ce qu'il a, hurlant, s'acharnant, faisant valdinguer le dragon. Qui des deux est le monstre? Des flammes pouvant brûler la mer, un hurlement. Reste sur tes gardes, Natsu, tendant ses mains. Lui aussi compte envoyer tout ce qu'il a. L'eau n'éteint pas les flammes, c'est le feu qui vaporise l'eau. Natsu venant à bout de son adversaire, le roi des flammes. Garp versus Aokiji. Le héros de la marine fait son apparition, à l'image de son petit-fils, extravagant et imprévisible. Un bateau qui vole, mort de rire. Il est venu à la rescousse de Kobe. Puis ce moment, les amis, accrochez-vous à votre siège, à votre canapé. Allongez-vous bien dans votre lit.
regard venant flotter dans les airs, son rayon rouge illuminant toute la ville, toute la ruche. Le temps se suspend, un démon, un monstre compte abattre son courroux sur ces misérables mortels. Galaxy Impact. Je vous laisse admirer l'animation stratosphérique sans mauvais jeu de mots. One Piece 2024 tout simplement, le prime de cet anime de plus de 20 ans qui ne cessera de nous surprendre. Mangez, dégustez, abreuvez-vous. Merci, juste merci pour cela. Je ne peux pas vous mettre l'extrait en entier, mais foncez voir la séquence quand vous avez le temps. Vous ne le regretterez pas. Revenons à notre histoire. Il se tient là, debout. Un homme marqué par son passé, ses souvenirs défilant dans son esprit. Il reprend son souffle. Quel plan, les amis. Préparez-vous à vivre l'histoire. Pauvre Garp, tous ses disciples semblent voués à un funeste destin. La glace prend forme, des flocons et une aura destructrice. Mais lui ne perd pas la face, c'est une aura salvatrice. Le haki des rois, s'avançant, déterminé, stoppé par la glace. Garp venant encaisser le premier assaut. Quoi? Déjà? C'est terminé? Kuzan n'ayant aucune pitié. Un sourire se dessine sous la froideur. Garp venant briser son cocon comme si de rien n'était, avant d'esquiver le pilier du pirate, l'utilisant à son avantage, l'envoyant sur ses derniers en plusieurs morceaux, esquivé à son tour. Puis ça dégénère, Aokiji n'ayant aucune peine, en voyant tout ce qu'il a. Mais Garp n'est pas en reste. C'est à son tour de surprendre, se saisissant de son élève. Hésiter est un signe de faiblesse, n'est-ce pas? L'envoyant s'écraser au sol, venant créer un séisme impressionnant, leurs deux regards se croisant, la peine de Garp se lisant sur son visage. Tokiyuki versus Shokan. La petite pépite de cet été, elle n'a pas besoin de plus. La main gauche sert de repère. Il suffit d'attendre que la lame ennemie passe entre les deux mains. Et là, elle frappe. Tous mes fans de samouraï, foncez vous brancher sur cet animé, The Illusive Samouraï. Le voilà, fait comme un rat, dans un espace aussi étroit. Ses mouvements seront limités, et ce qu'on prenait pour de la panique ne l'était pas réellement. Un sentiment étrange s'empare de son adversaire. Oui, la panique change de camp. C'est lui qui est totalement débordé. Un lapin, un rat, une souris, insaisissable. Ses mouvements sont parfaits, je vous jure. Dans l'anime original, ils ont fait un remix de Thriller de Michael Jackson. Par pitié, allez regarder la scène originale. L'animation, c'est même pas la peine que je parle. C'est quoi ce poulet? Actuellement, j'ai la même tête que ce samouraï. Je n'en crois pas mes yeux. Et qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Arrête de jouer avec la nourriture. J'en ai le tournis. À ce stade, il faut juste abandonner. Il aura perdu tout son sang avant de ne serait-ce que blesser ce gamin. Puis flashback classique du vilain samouraï. Avant qu'un éclat ne l'aveugle. Oui, il était cette lumière, ce rayon de soleil. Tokiyuki lui avait montré la voie, un sourire innocent dans cet enfer, voyant en lui Bouddha en personne. Quelle fin pathétique. L'anime offrant cette étrange aura d'un ange bloqué en enfer. Dites-moi si vous voulez d'autres scènes ce manga. Moi personnellement, je vais le commencer dès ce soir. Harley Quinn versus Katana. Mes fans de Isekai et mes fans de comics, vous êtes où? Deux mots qui ne vont pas ensemble, pourtant ils l'ont fait. Voilà les deux femmes fatales dans les ruines. Elles se tiennent sous les lunes, Katana prenant de haut Harley avant de prendre place dans l'arène. C'est donc parti. Harley, chargeant la première, venant se faire désarmer par Katana, venant demander de l'aide à son ami qui se transforme en lame. Un combat à mort, violent, agressif, mortel s'ensuit. Une danse macabre. C'est à son tour de perdre son arme. Du moins la moitié, et c'est parti à nouveau. Chaque échange, chaque interaction peut être la dernière. La concentration est à son paroxysme, la tension à son apogée. Qui des deux tirera son épingle du jeu? Qui des deux mettra à genoux son adversaire? Quelle volonté sera supérieure? Harley semble prendre un net avantage, la tendance étant inversée. Katana venant perdre son masque. La voilà titillée, et c'est parti. Tout le monde s'en mêle. Katana prenant la fuite, venant plonger dans l'eau, avant d'en ressortir, chevauchant une créature immense. Elle prendra alors définitivement la suite. La Suicide Squad décidant de ne pas la poursuivre. Bon voilà, épisode plus court que d'habitude, mais avec plus d'intensité dans les scènes. Dis-moi ta préférée aujourd'hui. Personnellement, The Illusive Samouraï m'a mis très très bien. J'espère t'avoir fait découvrir de nouvelles œuvres et donner envie de t'y mettre. Tous mes réseaux sont en description, dont Twitch où je vais live souvent. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out!